La CPTA nous dit que la dictature ne va pas continuer là-dedans encore. Là, mais ça fait clair pour la CPTA, parce que ce n'est pas avec le gouvernement, qu'avec la dictature, avec comme si Baboukette là, ça ne va pas accepter. Et on connaît qu'il y a un tandem que j'ai parlé dernièrement avec le président Lissi Voltaire, avec Thia Gilles, et me dit que la décision qu'on a telle pour suspendre l'émission, pour garder la parole là, c'est une décision qui n'est pas capable de la combattre. Et je souhaitais que CPTA prenne note de ça et conseil de judiciation avant que nous ayons une mobilisation à faire, que moi je vienne personnellement là devant le CPTA, expliquer que ça affaire ne va pas passer, que ça ne va pas prendre. Et en même temps, pour l'autre cas, que nous verrons appeler CPTA tout, ensemble avec le gouvernement, le ministre de la Justice, il a Geka Gaïtes, ce journaliste Okai, qui a été tué en 2022, qui a assassiné, et dossier devant le ministère de la Justice, et le commissaire gouvernement, Ronald Richemond, qui a révoqué, il ne va jamais révoquer. Jusqu'à présent, Ronald Richemond, il a été à l'écart dans le parquet Okai, mais je suis toujours magistrat, qui veut que le juge d'instruction qui a fait des dossiers, il n'a pas avancé. Parce que monsieur tu statut de magistrat. Moi, je demandé CPTA, parce que avec le gouvernement, pour que rapidement, je dis que ça déjà dans l'OMRH, que je souhaitais, que je parle traiter rapidement pour Gaïtes, famille Gaïtes, capable de commencer, ouais, contre la justice. Et c'est justement Zach Sao qui est impuni, qui a été impuni, qui fait que bandits, toute qualité comprennent, de continuer à attaquer la presse. Et leur attaquer la presse, ce n'est pas la presse qui attaque seulement, ou attaquer toute société, c'est démocratie parler. Et je pense que des autorités, comme CPTA, ils ne peuvent pas cautionner ça. Et toute société doit camper contre ça, contre CPT qui a un gouvernement et excusez-moi, qui ont été là, qui supposent à faire travail pour la population de nous souffre. Non, nous avons appris depuis quelques temps. Même nous lançons appel là, clairement. Clairement, nous lançons appel là, je dis. Pour nous discuter, nous ne pouvons pas accepter la dictature, ça. Nous avons des gens qui mourent pour ça. Les journalistes mourent. Jean-Dominique mourent pour ça. En plus, les journalistes mourent. Hier, c'était l'anniversaire de l'assassinat de l'Ordre. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Donc, l'autre journaliste a continué à mourir, assassiné, c'est une rien. Donc, une autre fois, je m'a demandé CPTA, décision que vous pouvez boucanter la parole. Alors, ça, ce n'est pas seulement pour boucanter la parole, mais c'est pour tous les médias, pour la presse, pour toute société, que nous avons dit que boucanter la parole doit reprendre, parce que ça doit bien pour fonctionner. Le gouvernement n'a pas d'autorité pour dire où l'émission n'a pas de passer. Ce n'est pas de job. Ce n'est pas ça qu'on va le faire. Au contraire, le peuple qui a besoin de sécurité, c'est sur ça que c'est pour le travail. Donc nous-mêmes, nous lançons ce message aujourd'hui. Message pour CPTA, suspendre et intrusion l'affaire. Dans les affaires, la presse pour demander pour camper l'émission, pour canter la parole qui passe sur Radio Méga. Donc, nous avons dit que ça, alors, mobilisation, nous lancée jeudi, mais mobilisation par plusieurs formes. Nous avons des spots que nous allons faire, que nous allons passer dans tous les médias, dans les médias en ligne, les médias traditionnels, pour nous parler à CPTA chaque jour, pour que nous connaissions, la dictature, ça nous pas prendre. Et ça, nous sommes très sérieux là-dedans. Nous ne sommes pas quoi, nous. Mais, et l'ultime maintenant, ce n'est pas seulement nous-mêmes, haïtiens, même la presse internationale. Ou la position CPJ, comme dit tout peut-être journaliste qui New York, il y a l'autre organisation qui apparaît là pour intervenir, pour mobiliser. Donc, ou CPT, c'est pas que c'est ça qui est le problème, c'est la presse qui est le problème. Même, c'est lui qui trompe. Et assurez-nous que CPTA, c'est pas gouvernement, très mal passé. Si que c'est ça, ils comprennent, il n'y a plus de fait. Donc, client se leva et Méga. Mais on va engager la Radio Méga. Mais c'est la Radio Méga, c'est Alex Séroué. Trois décisions pour tomber et émission. Vous pensez en tant qu'aîné, c'est une bonne décision? Non, c'est pas Alex Séroué qui appelle. C'est le gouvernement qui prend notre ça. Mais nous-mêmes, justement, nous demandons des retraits. Nous demandons de rentrer notre ça. Et ça nous est sérieux, il y a beaucoup de choses. Rentrer notre qui dit que la parole passe supposée à émettre. Et mon garantie, ça ne peut pas rentrer. Notre confiance, c'est pas rentrer. Parce qu'il n'est pas capable de passer. Il faut arrêter, il faut commencer à arrêter nous-mêmes qui l'a tout. C'est pas vrai. Donc moi, c'est ça, ça c'est gratuit. Qui vraiment pas de aucune barrière qui a capturé là-dedans. En tant que responsable sur les journalistes, où tu parles ensemble avec Henri, qui ça le jour qui t'a cause de fermer l'émission? Non, alors, sauf faux prétexte que Fondatel Brun, l'a dit n'est pas parler, alors que Bandi l'a parlé. C'est l'État, c'est le gouvernement qui a arrêté, mais c'est hors d'état de nuire. Ce n'est pas le journaliste qui est responsable de ça. Moi-même, nous suivons. Journaliste international qui vient là, qui t'a qu'à parler avec tes gars. Mais il va dire rien. Et comme si c'est étranger, c'est pas un problème, mais c'est le journaliste haïtien qui ne va pas parler, qui arrête de travailler. Non, c'est pas le journaliste pour arrêter ni la position. C'est le gouvernement qui va arrêter. Si le journaliste ne peut pas parler, c'est parce que la privée, tout le côté bandit a marché, pas le gouvernement, pas l'État. C'est ça. Donc on va accuser le journaliste. Ça ne sert pour rien. Et me dit nous, même aux États-Unis, Ben Laden, un terroriste qui était chargé, qui était fait World Trade Center, quand il y a des journalistes déplacés, il a fait interview avec eux. Il n'est pas seul. Ce n'est pas le journaliste qui est là pour le faire ça. C'est l'État qui prend la responsabilité. Il y a des bails pour mettre les gens qui sont hors la loi, mettre hors d'état de nuire. Si eux-mêmes, ils vont hors la loi tout. Alors que ça tout attention, lorsque des gens ne peuvent pas prendre responsabilité, pour punir, pour assurer que ils punissent les gens qui ont fait crime, ça veut dire quelque part, excusez-moi pour me dire ça, les gens comme si ils sont criminels tout. Je ne sais pas pour me dire ça, mais si vous faites ça, il n'y a pas de justification. Alors, comment on travaille journaliste dans une situation pareille, une situation de sécurité? Bon, alors, journaliste, il est pour faire travail, et il continue de faire travail. Et avec cette solidarité qu'on a montrée là, il n'y a aucun moyen pour achever dans ma cab ça que je disais. Et moi, je me bats de garantie, journaliste a continué de travail sans problème.